Je vais vous expliquer comment avoir et créer un tremplin sur le Lego de Fortnite. Alors il faut savoir que c'est un nouveau gadget qui vient d'arriver depuis la dernière mise à jour et comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas de débloqué dans mes gadgets. Pour le débloquer, ce que vous allez devoir faire, c'est d'obligatoirement vous équiper dans votre inventaire des trois ressources que je vais vous citer. Donc il vous faudra du tissu en soie, ensuite il vous faudra du bois souple et il vous faudra des lingots de pierre, de cuivre. Hop, regardez, là je vais m'équiper des lingots de cuivre et vous allez voir que je vais débloquer directement le schéma. Donc hop, maintenant je vais dans mes gadgets, dans mes constructions plutôt et dans mes gadgets. Et comme vous pouvez le voir, là j'ai débloqué le tremplin et maintenant je vais pouvoir le créer où j'en ai envie. Donc c'est plutôt pas mal parce que grâce à ce tremplin, vous allez pouvoir vous déplacer beaucoup plus rapidement. Je vais vous présenter une petite astuce. Alors cette astuce consiste à créer des rampes d'au moins 20 de hauteur. Donc n'en créez pas de 25 de hauteur parce que vous n'aurez pas assez d'endurance pour pouvoir planer jusqu'au bout. Bien entendu, avant de prendre le tremplin, attendez que votre barre d'endurance se recharge et il vous faudra aussi dans votre inventaire, il vous faudra le planeur. Si vous n'avez pas le planeur, cette technique ne fonctionnera pas. Donc là, vous créez 20 de hauteur, voire 21 escaliers de hauteur. Ensuite, vous créez un tremplin, vous déployez votre planeur et vous allez pouvoir voyager sur une grande distance. Et pour rendre le voyage encore plus optimal et plus rapide, si vous allez par exemple dans le désert et que vous voulez pas faire tout le temps des allers-retours, enfin ou que c'est long de faire des allers-retours et que vous n'avez pas le choix de le faire, ce que vous pouvez faire, c'est faire la même technique que je vous présente là actuellement, c'est de créer 20 escaliers de hauteur. Ensuite, quand vous avez plus d'énergie, ben, vous perdez votre planeur, c'est logique. Et à ce moment-là, vous allez recréer 20 de hauteur et recréer un tremplin tout en haut. Comme ça, vous allez pouvoir voyager sur de longues distances très rapidement et très facilement. Après, si vous voulez faire demi-tour, ben, pour éviter de recréer des tremplins en illimité, ce que vous allez faire, c'est tout simplement recréer une rampe qui rejoint le tremplin de base. Et vous allez utiliser votre tremplin comme ça sur le retour, sur l'aller et sur le retour. Donc voilà, si vous avez d'autres astuces avec ce fameux tremplin, n'hésitez pas à le dire en commentaire.